Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir convié à cette table ronde. Sujet imposé, temps limité, il faut bien ça pour canaliser l'émotion. Il y a deux façons, je crois, d'envisager l'œuvre de Daniel. On peut insister sur la diversité des objets qu'il a étudiés, des académiciens de province au peuple de Paris, des choses banales à la gloire équestre, de la culture des apparences à celle de la mobilité, de la vie intellectuelle, aux pratiques du quotidien. Sous cet angle, Daniel a des allures d'historien total auquel rien n'échappe, qui refusait de se laisser enfermer dans une spécialité délimitée, dans un canton étroit du réel. Mais on peut aussi remarquer que cette profusion est articulée autour d'un thème, les Lumières, dont il n'a cessé de se vouloir l'historien depuis sa thèse jusqu'à l'intitulé de sa chaire au Collège de France, qu'il a décidé d'intituler, comme vous le savez, Histoire de la France des Lumières. Les Lumières traversent son œuvre moins comme un objet que comme une question et un engagement. Dans sa leçon inaugurale, prononcée le 19 novembre 1999, Daniel rappelait que l'effort de son travail d'historien avait été de chercher inlassablement à déchiffrer, c'est son mot, ce qu'il appelait l'énigme des Lumières. Dans l'édition imprimée, le terme figure en italique, preuve que la formule lui avait semblé saisir quelque chose d'essentiel de son parcours et de son travail. Cette énigme, expliquait-il, c'est le fait qu'une société, qui jusque-là était comme immobile, figée dans le respect des traditions et des autorités, s'était désormais mise en mouvement, c'est son mot, mise en mouvement pratiquant et valorisant toutes sortes de mobilités. Celle des hommes, c'est la grande question des migrations et des voyages, celle des choses, c'est la révolution du commerce et de la consommation, celle des idées, enfin, qui passe par la diffusion de l'imprimé et par les sociabilités intellectuelles. En ce sens, la France des Lumières ne désigne pas simplement une période, le XVIIIe siècle, mais bien un problème historique qui ne se laisse nullement réduire à des controverses philosophiques. Pour déchiffrer cette énigme, disait Daniel, il faut concevoir le monde des Lumières comme un système culturel dont les codes et les valeurs organisent une communication entre les individus et les groupes sociaux. Ce qui permet, et il y insistait toujours, de ne pas séparer le social et le culturel, le matériel et l'intellectuel. Le mouvement est clair, historiciser les Lumières, les penser comme un processus historique ancré dans un moment particulier de l'histoire européenne, un long XVIIIe siècle. Et pourtant, dans cette leçon inaugurale, vous vous en souvenez, Daniel se réclamait aussi des Lumières dans un sens un peu différent, comme l'enjeu d'un combat toujours vif, toujours actuel, qui le conduisait à s'attaquer nommément à Bruno Maigret, je m'excuse auprès des plus jeunes, qui heureusement ne savent pas qui était Bruno Maigret, en fait ils le savent bien sûr, et au cardinal Lustiger, c'est-à-dire deux actualisations des adversaires traditionnels des Lumières à l'orée du XXIe siècle, c'est-à-dire l'extrême droite et l'Église catholique. Il s'agissait donc bien aussi de défendre des Lumières contre leurs adversaires, c'est-à-dire d'assumer l'héritage des grands combats pour la tolérance, la liberté des individus, le progrès scientifique. Mais s'il est facile de défendre un programme politique ou un projet philosophique, il est plus compliqué de défendre une énigme historique, un vaste mouvement socio-culturel inscrit si fermement dans un passé révolu. Cette difficulté, cette tension entre un historicisme assez radical, hérité bien sûr de la tradition des annales et de toute l'historiographie française, et d'autre part l'attachement aux valeurs émancipatrices des Lumières, a travaillé, je crois, profondément l'œuvre de Daniel Roche. Elle était un de ses moteurs. À ses yeux, et je le précise immédiatement, il n'y avait aucune contradiction. Bien au contraire, c'est l'histoire sociale et culturelle qui permettait de maintenir ouverte cette énigme des Lumières comme réflexion sur les trajectoires d'une société entre les pesanteurs de la tradition et les horizons du progrès, entre les ambitions réformistes et les espoirs utopiques. Il le disait très clairement, je le cite à nouveau, « Grâce à elle, et elle ici, c'est l'histoire sociale et culturelle qu'il pratiquait, grâce à elle, les Lumières réussissent à se survivre, et ce n'est pas peut-être leur succès le moins remarquable. Pour cela, il avait fallu que l'histoire sociale et culturelle intègre l'histoire des idées politiques et l'histoire littéraire pour les reconfigurer
pour que les Lumières ne soient plus une question théorique ou un patrimoine littéraire, mais bien le nom d'un processus historique à poursuivre, marqué à la fois par le progrès matériel des sociétés, dont Daniel avait fait un éloge vigoureux en conclusion de l'histoire des choses banales, et par les combats collectifs de l'intelligence. Cette capacité des Lumières à se survivre, malgré certains aveuglements, en dépit des démentis de l'histoire contre vents et marées, c'est aussi cela, sans doute, l'énigme des Lumières que Daniel nous a léguée.